L'Église Le Portail en ligne. Nous vous souhaitons une joyeuse Pâque et que la joie de notre Seigneur vous accompagne en cette belle journée de la résurrection de Jésus. Mon nom est Monique et je suis membre de l'équipe pastorale de l'Église Le Portail qui est représentée sur quatre sites Laval, Terrebonne, Saint-Eustache et l'Abitibi. Très bientôt, Dieu voulant, à Montréal-Nord. Notre mission est la suivante, aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Alors, si vous désirez en savoir plus ou connaître nos horaires et nos emplacements, euh, je vous invite à visiter notre site internet www.égliseaportail.com. Chaque semaine, nous offrons des services pour les enfants, de la pouponnière jusqu'à l'âge scolaire, avec des enseignements adaptés pour chaque groupe d'âge. Et en ce qui concerne nos activités hebdomadaires, le groupe des ados, Accès, et Portail Jeunes Adultes se rencontrent les vendredis soirs à 19h30 au site de Laval. Pour connaître les détails, vous pouvez consulter leur page Facebook. De nombreux petits groupes se réunissent dans les foyers pour partager et prier ensemble. Alors pour connaître où se situe un groupe près de chez vous, vous pouvez écrire à petitgroupe.com. Finalement, nous partageons la bonne nouvelle de Jésus chaque semaine à travers nos messages. Alors sans plus tarder, écoutons ensemble le message d'aujourd'hui en ce beau dimanche de Pâques. Et bienvenue à tous pour ce message en ligne du portail, ce message à l'occasion de Pâques. On est très heureux de vous accueillir et directement en partage, je vous souhaiter une joyeuse Pâques de ma part, de la part de toute ma famille, mais aussi de la part de toute l'équipe de l'Église de Portail, euh, l'équipe pastorale, l'équipe administrative, tout, tout le monde. On est vraiment reconnaissant que vous nous suiviez, euh, que vous, même certains contribuent, certains nous suivent, certains sont là. Alors, on est vraiment reconnaissant. C'est une grâce que de vous euh, retrouver en ligne et aussi de la part de Pasteur Gaétan qui vous souhaite un joyeux Pâques tout particulièrement. Euh, vous savez, normalement, à l'occasion de Pâques, ça aurait été euh, lui qui aurait apporté le message, mais on a eu une semaine particulière au Québec et euh, cette semaine, Pasteur Guetta m'appelle un peu en urgence. Il me raconte qu'il a eu un dégât d'eau important à sa maison, à sa résidence. Il m'appelle un peu désemparé et il me dit « Max, est-ce que tu pourrais me remplacer pour enregistrer le message pour nos gens en ligne et aussi pour notre église en Abitibi? » Alors, j'ai évidemment répondu « Non, pas du tout. » Mais dans <laughs> cette blague. Mais très heureux de prendre un peu la balle au bon, comme on dit, et d'apporter ce message pour l'occasion de Pâques. Et vous savez, peut-être que je suis différent. Euh, de Pasteur Gaétan, on est tous les deux deux personnes bien différentes, mais nous apportons le même message, celui de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ. Alors, euh, on va être bénis par euh, la prédication de ce matin ensemble. Aussi, vous remarquerez que euh, on n'est pas dans le même environnement habituel parce que, comme je l'ai mentionné, on a eu du gros verglas euh, au Québec et des pannes d'électricité majeures et notre église de l'aval. Ne pouvait donc pas euh, accueillir euh, l'enregistrement du message. Alors, on vous accueille dans notre belle église de Terbonne. C'est ici notre église de Terbonne où euh, nous œuvrons semaine après semaine, et c'est vraiment une joie pour moi de vous accueillir ici. Et je veux aussi un accueil particulier à notre église d'Abitibi qui nous suit, qui est là ce matin pour Pâques, rassembler ensemble. Bienvenue à Abitibi. J'espère que vous allez bien. Faites du bruit. <laughs> All right. Et euh, aussi accueillir euh, les visiteurs, euh, des gens qui euh, ont cliqué peut-être pour une première fois sur un message, qui étaient un peu curieux par rapport à Pâques, où tu t'es fait traîner un peu euh, à l'église, où euh, tu es curieux, tu n'es pas habitué. Ça me fait penser un peu à cette histoire de. Cette femme qui se prépare pour aller à l'église en cette belle journée de Pâques. Et elle, elle va se préparer, elle est dans la salle de bain, puis elle peigne ses cheveux, puis tout ça. Puis après ça, elle se maquille, tout ça. Puis là, elle prend son temps pour bien se préparer, puis être à son meilleur, à être le plus radieuse que possible en cette journée de Pâques. Et elle arrive, elle retourne au salon et elle voit son, son mari euh, écrasé dans le divan. Écrasé sur le divan, en train d'écouter la télé en pyjama. Et là, elle se fâche, elle s'emporte. Voyons, qu'est-ce que tu fais, c'est pas qu'on va à l'église, habille-toi, let's go. Et là, le mari est comme, non, ça ne me tente pas d'y aller. Non, là, je suis bien, je ne veux pas aller à ton église. Non, je ne veux pas y aller. Parce que, euh, premièrement, les gens ne sont pas vraiment gentils avec moi là-bas. Deuxièmement, on dirait que tout le monde me regarde un peu bizarrement à l'église. Puis, troisièmement, je m'ennuie là-bas. Je m'ennuie, je m'ennuie. Puis là, la femme lui répond puis lui dit Non, premièrement, c'est pas vrai que les gens sont, sont pas gentils. Non, les gens sont gentils. Euh, les gens ne regardent pas croche, c'est dans ta tête, c'est toi qui paranoies un petit peu. Les gens sont super gentils et accueillants avec toi. Puis troisièmement, tu es le pasteur de l'église. Tu devrais y aller. Vous savez, euh, on, a, on, on vous souhaite la bienvenue à cette journée de Pâques. Cette célébration de Pâques, à prendre place, à te réjouir et à venir à l'Église, à écouter ce message. On vous souhaite vraiment une journée, une belle journée pleine de vie. Parce que c'est ça, Pâques. C'est ça la raison de cette fête. C'est la vie. Et j'aimerais te raconter l'histoire la plus connue de Pâques. Elle est connue parce qu'elle est hors de l'ordinaire. Elle est extraordinaire. Et lorsqu'on commence une histoire au Québec, souvent on dit on commence une histoire en disant, c'est une fois un gars. Hein? Une fois c'est un gars, c'est un gars qui, euh, euh, qui est là, tu comprends, tu, tu veux dire. Puis une fois ce un gars-là, il grandit dans le village, dans son village natal. C'est un charpentier, c'est un gars de construction. Déjà là, tu le sais que ça, il va avoir du croustillant. Hein? C'est un gars de construction, il va avoir du croustillant. Et là, euh, vers la trentaine. On ne sait pas pourquoi, peut-être sa vie était un peu plate, mais il a commencé à, à faire des actions euh, impressionnantes et à se dire le fils de pas n'importe qui, le fils de Dieu. Il a commencé à se déclarer le fils de, de Dieu et pourtant on savait que c'était le fils de Joseph. Mais il se déclare le fils de Dieu. Le problème avec tout ça, c'est qu'il y en a qui ont commencé à le croire, il hein, y en a qui sont comme tombés dans le panneau, il y en a d'autres qui ont douté. Il y en a d'autres, des religieux qui se sont fâchés, emportés. Voyons, non, tu ne peux pas dire de tels blasphèmes. Tu ne peux pas dire que tu es le fils de Dieu. Mais pourtant, malgré que ça soit. Le gars, il commence à dire qu'il est fils de Dieu. Je veux dire, si tu viens me voir et que tu me dis que tu es la fille ou le fils de Dieu, on va avoir une petite discussion ensemble. Mais pourtant, ce gars-là, il commence à dire ça. Et en plus de ça, ce qu'il dit, toutes ses paroles et ses enseignements sont profonds, sont intelligents, sont d'une grande connaissance. En plus de ça, il fait des actions d'amour remarquables envers les gens qui l'entourent. Il accomplit même des miracles. Il va se mettre à, à guérir un aveugle, il va se mettre à, à, à faire en sorte qu'un estropié se lève et commence à marcher. Il va même changer l'eau en vin, celle-là n'était pas pire. Il se met à faire des miracles, mais plus encore que tout ça, la vie des gens qu'il côtoie commence à être transformée d'une manière radicale. Il y a trois possibilités face à cette déclaration de ce gars-là, selon CS Lewis, comme il nous l'enseigne. CS va dire, c'est soit que cet homme-là était juste fou, peut-être atteint d'une d'une certaine maladie psychiatrique, dédoublement de personnalité ou quelque chose. Mais comment ça se fait-il, s'il est fou, que des gens et une foule le suivent? Et pourtant, lorsqu'on lorsqu le regarde et lorsqu'on regarde ses faits et gestes et ses paroles, on réalise qu'il est d'une grande crédibilité. Son enseignement est crédible. Deuxième possibilité, c'est qu'il soit un menteur. Mais même s'il est un grand menteur, il a quand même beaucoup de faits qui doivent être expliqués suite à la, les actions de ce, cet homme-là. Alors, ça nous laisse une troisième option c'est qu ce qu'il disait être, ce qu'il prétendait être, était vraiment le cas. Il est le Fils de Dieu, le Seigneur. Ce gars-là va être faussement accusé, condamné et tué pour des raisons un, un peu bizarres et jalousie et ça c'est moins drôle et ce matin le titre de mon message c'est comment ce mort peut-il être vainqueur comment cet homme là qu'on va tuer comment ce mort peut-il être appelé vainqueur vous savez le vainqueur c'est le titre de cette fin de semaine de cette thématique de tout ce qu'on a fait au portail pour en fin de semaine mais c'est plus que ça, c'est aussi cette histoire, ce récit qu'on va lire ensemble. Comment ce mort peut-il être vainqueur? Et on plonge nos regards en Matthieu chapitre 27, verset 57. Voici ce que ça nous dit. Le soir venu, arriva un homme riche appelé Joseph, originaire de la ville d'Arimathée. Lui aussi était un disciple de Jésus. Il alla demander à Pilate le corps de Jésus. Alors, Pilate donna l'ordre de le lui remettre. Joseph prit donc le corps, l'enroula dans un drap de lin pur et le déplosa dans le tombeau, tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc. Puis, il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla. Il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe. On voit ici euh, un homme qui s'appelle Joseph d'Arimathée qui est un disciple de Jésus. Ça nous enseigne qu'il est un disciple de Jésus. J'aimerais dire que même mort, ce gars-là que je parlais au début, ce Jésus-là, a marqué, a influencé, règne dans la vie de ses disciples. Et ce court, ces courts versets, j'aimerais soulever trois marques qui démontrent que, comment Jésus est vainqueur dans la vie du disciple, comment il règne dans nos vies, comment la vie est transformée pour ceux qui le suivent. Première marque d'un disciple dans laquelle Jésus est vainqueur dans sa vie. Première marque, ça nous dit que Joseph était riche. <laughs> non, je ne suis pas en train de dire que nous sommes tous riches lorsqu'on suit Jésus. Nous ne sommes pas ce genre d'Église qui croyons que tout va toujours bien aller dans cette vie pour le chrétien, que nous allons avoir du succès, de l'argent et la santé, et que nous allons prospérer dans tous les domaines de cette vie terrestre. Non, nous croyons plutôt que le disciple de Jésus peut vivre des moments extrêmement difficiles, mais que tout va toujours bien aller dans son espérance éternelle, dans la vie éternelle, puisqu'il est en Jésus. Nous croyons aussi que, comme Jésus l'a enseigné, qu'il est difficile pour un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Jésus va enseigner cela en Matthieu chapitre 19, versets 24 à 26. Mais il va dire que ce n'est pas impossible. Pourquoi c'est difficile? C'est difficile parce que la tentation est grande, la tentation du portefeuille. La tentation que nos biens prennent toute l'importance dans nos vies, que notre confort, que notre autosuffisance prennent toute la place dans nos vies. Mais ce texte-là nous enseigne que Joseph était riche et que donc un disciple de Jésus peut avoir des richesses, peut avoir des moyens. Mais son portefeuille ne l'empêche pas de suivre Jésus. Son portefeuille ne l'empêche pas de suivre Jésus. Et je veux t'encourager ce matin, si tu es un disciple de Jésus, à suivre et servir Jésus, même s'il y a cette forte pression et tentation dans notre vie actuelle, dans notre société actuelle, d'avoir une vie de luxure, une vie de confort, une vie où la carrière va prendre toute la place, une vie où ce qu'on veut toujours plus, où ce qu'on veut toujours plus grand que les autres. On veut vivre plus de voyages, on veut flasher combien on a payé pour notre dernier joujou. Il y a bien plus que ça. Et c'est ce que le texte nous enseigne. Et Jésus nous a toujours enseigné que c'est une question de cœur. C'est une question de cœur. Jésus est vainqueur dans la vie de Joseph parce qu'il a gagné son cœur par-dessus le portefeuille. Le portefeuille n'est pas vainqueur sur la vie de Joseph. Jésus est vainqueur sur sa vie. Ça me fait penser à cette autre histoire qu'on voit dans la Bible du jeune homme riche. Jeune homme qui va voir Jésus et puis qui il lui dit il, il est prêt à le suivre. Il semble être un candidat parfait, idéal pour être un disciple de Jésus et marquer sa génération. Mais Jésus va lui dire "OK, c'est bon, tu, tu as l'air sérieux. Va retourne chez toi, vends tout et suis-moi." Et qu'est-ce qui va se passer avec ce jeune homme là et... Il ne va pas être capable de faire cet engagement-là. Et on ne va plus jamais entendre parler. Et Joseph, par contre, lui, on entend encore parler. Malgré qu'il soit riche, on sait qu'il euh, va, il va contribuer. Il est un disciple de Jésus. Et même l'histoire, plus tard, nous raconte des faits historiques que Joseph d'Arimaté faisait partie de l'Église primitive. Et cet homme-là qui est riche, probablement à cause justement de sa posture, il va avoir un accès à Pilate. Il va avoir un accès facilement. Il va aller le voir. Et voici la deuxième marque du disciple. Il va demander le corps. Pourquoi? Parce que dans sa conception, dans sa tête, Jésus ne peut pas être enterré dans un cimetière juif avec d'autres criminels. Jésus ne peut pas juste être enterré là avec les autres, entouré. Non, il, a, il doit avoir une place d'honneur, une place unique, une place noble, respectable. Et donc, ce n'est pas juste que Jésus est vainqueur sur le portefeuille de Joseph, c'est que Joseph a une haute estime de Jésus. Hein, c'est comme si euh, quelqu'un disait, euh, voici, je, je veux juste avoir un enfant. Je ne veux pas en avoir deux, je veux juste un enfant parce que j'aimerais n'aimerais pas ça en avoir un deuxième et qu'il y ait de la compétition avec lequel que j'aime le plus. C'est un peu bizarre comme argument, mais okay, c'est correct. Mais on s'entend-tu que même si tu avais seulement un enfant, tu peux quand même ne pas le valoriser, l'aimer, lui donner toute l'attention et l'éduquer pour qu'il se sente aimé? Et de la même manière, ce n'est pas juste que Jésus ne euh, euh, soit pas en compétition avec d'autres aspects de ta vie, mais Joseph l'adorait l'avait en haute estime, l'élevait. Il est unique, il se démarque. Jésus n'a juste pas d'autre compétition, il est dans une classe à part. Et en tant que disciple de Jésus, nous voulons mettre Jésus, non pas, c'est pas juste qu'on veut le mettre au-dessus un petit peu de la compétition, des autres aspects de notre vie, non, nous voulons le placer en haute estime. Il est notre roi, nous voulons l'adorer, nous voulons l'élever. Il n'est pas comme les autres, enterré au cimetière. Il a une place de choix, une place privilégiée dans ma vie. Je ne veux pas être de, de ces religieux, ces personnes qui viennent à Pâques juste pour soulager notre conscience, juste pour faire la petite prière. Je prie que tu puisses être un adorateur, un adorateur de Jésus. Parce que souvent, on prend trop, trop souvent, on prend Dieu comme une piñata. Hein? Une pignata qu'on accroche là. On se rassemble autour de lui. On, on lance nos prières à Dieu, puis on espère frapper la cible, puis recevoir toutes les bénédictions de Dieu. Souvent, on voit Dieu comme ça. On se rassemble, puis on espère, on lance nos prières, puis on dit, Ah Seigneur, réponds-moi de bénédictions. Non, le chrétien, le réel disciple de Jésus, comprend que le connaître, connaître Jésus, est déjà la plus grande des bénédictions de notre vie. Et que par la suite, cette vie terrestre, peu importe les bénédictions et les malédictions que nous puissions vivre, nous allons toujours déclarer que ton nom soit loué. Tu mérites la meilleure place dans ma vie. Vous savez, ce monde n'a pas besoin de plus de chrétiens avec une belle petite vie rangée, une belle petite vie parfaite. Ce monde a besoin... De chrétiens et d'adorateurs qui élèvent Jésus plus que tout dans leur vie. Est-ce que je peux entendre un Amen, même si c'était en ligne ou en Abitibi? Et non seulement il va, Joseph va donner la place à son, son tombeau à Jésus, mais ça nous dit qu'il va l'embaumer il va d'un drap pur, un drap propre. En d'autres mots, il donne de bons vêtements à Jésus. Et ça, c'est un acte de louange. Hein? Il donne le vêtement d'excellence, le bon vêtement sans tache pur à Jésus. Ça me fait penser à cette euh, anecdote qu'a vécu un de mes collègues, le pasteur Warren. Plusieurs d'entre vous, vous connaissez Warren. Puis vous savez, Warren, euh, il se démarque de par son habillement. Hein? il est toujours bien habillé, il est toujours plus habillé que les autres. Il a la cravate, il a le petit foulard, il a le petit veston, il a le, le petit match. Il, il a, ce qu'on dit, il a du swag, hein? il a le petit chapeau, il a quelque chose. Il a toujours, il est toujours, il paraît toujours bien. Hein? C'est lui qui est comme toujours mieux habillé dans l'équipe. Nous, on a, un, je vous donne un petit secret, là, dans notre équipe, une petite confession d'équipe euh, au portail. Warren est celui qui s'habille toujours un petit peu mieux que la, la moyenne. Puis moi, je suis toujours celui qui s'habille un petit peu moins bien que la moyenne. <laughs> aujourd'hui, j'ai fait un effort. J'ai fait un effort pour vous aujourd'hui. Et Warren, il est arrivé à un moment donné où ce euh, va à l'église un dimanche matin à Saint-Eustache, puis euh, il prépare toujours ses vêtements à la veille, il les met dans une pochette bien rangée, puis il les apporte à l'église. Et euh, étant donné qu'à Saint-Eustache, il fait du montage, du montage, il installe la salle, puis il court un peu partout dès tôt, très tôt le matin. Ben, il ne veut pas mettre son linge pour de prédication, si on veut. Donc, il met son linge dans sa petite pochette. Puis là, on est une, un, un, un dimanche matin d'été, alors il arrive en, en petite short, là, pas en bermuda, mais en petite short, avec un petit chandail de sport. Puis il est en train de faire tout, placer l'église, puis tout ça, puis il fait l'installation, tout ça. Et à un moment donné, il arrive 30 minutes, quinzaine de minutes avant la réunion, puis OK, tout est prêt, tout est installé, tout le monde est à leur place, à leur poste. OK, let's go, je m'en vais m'habiller pour me préparer pour la prédication qui s'en vient la réunion va bientôt commencer il arrive aux toilettes prend son linge met ses pantalons et pas capable d'attacher le pantalon et là il capote mais qu'est-ce qu'il va faire puis tout ça puis il comprend pas puis et là là, j'ai pris du poids hein C Chacun son problème. Et <laughs> il a pris du poids. Il n'est pas capable d'attacher son pantalon. Alors, il va chercher sa chemise, prend sa chemise, euh, attache. Il pas capable d'attacher la chemise non plus. Alors là, il panique. Il se dit, qu'est-ce que je vais faire? Tout ça, là, il commence à réfléchir. Il n'a pas le temps de retourner à la maison prendre d'autres vêtements. Il regarde un peu avec des gens de l'équipe autour de lui. Puis, toutes les gens n'ont pas le même... Euh, corps que lui. Alors, les vêtements ne fraient pas. Alors, il, il, il panique, il se dit, OK, les magasins sont fermés. Et là, il dit, écoute, je pense que je vais faire retarder l'église. On va dire à l'église que ça ne commence pas à l'heure parce que je dois aller... Mais, mais ça ne se fait pas que tout le monde attende à l'église parce que Pasteur Warren il est parti chercher du linge qu'il lui fait. Alors, alors, il a pris la décision, il a dit, OK, non, j'y vais. Je prêche comme ça. Il est arrivé à l'église un dimanche matin à prêcher en petite short, un petit chandail, t-shirt de sport, puis il a prêché, puis il a fait comme si rien n'était. Il ne l'a même pas expliqué, même pas dit à l'église. Il, juste... il est arrivé, il a prêché, puis après ça, couvert de honte, il est parti. <laughs> et et, et, et peut-être que toi, ça te dérangerait ou ça te dérangerait qu'il fait ça, ou peut-être pas du tout, mais peu importe, lui, ça le dérangeait. Lui, pour lui, ça le dérangeait. Pourquoi Parce que dans son cœur, dans ce, comment il est, il ne portait pas le vêtement qui honorait le poste qu'il occupait. Il ne portait pas le vêtement qui honorait le poste qu'il occupait. Et de la même manière, Joseph veut donner le bon drap, le bon vêtement qui honore le poste de Jésus. Celui qui est pur, le Fils de Dieu. Et en tant que disciple de Jésus, nous voulons donner toute la place, toute la gloire, l'adoration à Jésus, car il le mérite. Amen. La troisième marque du disciple dont Jésus est vainqueur sur sa vie, ça nous dit que son tombeau, il va laisser son tombeau qu'il avait fait tailler pour lui-même. On doit comprendre qu'à l'époque, avoir un tombeau était l'une des choses les plus importantes que quelqu'un pouvait posséder. Avoir sa tombe. Mais le disciple est mort à lui-même. Il a cet amour sacrificiel pour Jésus. En d'autres mots, pour Joseph, Jésus est vainqueur sur ses biens, sur ses possessions, sur son futur, oui, mais aussi sur son égo. Il est prêt à donner sa tombe, sa place. Et en tant que type de Jésus, encore aujourd'hui, nous voulons être prêts à se sacrifier pour Jésus, à donner notre place pour lui. Comme je l'ai expliqué en introduction cette semaine au Québec, on a vécu une, une, une mini-crise d'un verglotte qui a duré peut-être 24-48 heures, mais qui a provoqué des pannes partout. Et quand il y a des pannes d'électricité, avouez, là, on va se le dire, là, on a tout un peu la même réaction, hein? On est tout à, en train de regarder euh, euh, qui va manquer d'électricité, puis qui, qui en a encore. Puis au fond, de nous-mêmes, on espère toujours être les derniers qui vont encore en avoir. Puis on, on regarde à l'extérieur, puis on regarde nos voisins, on se promène dans les rues environnantes, puis <laughs> eux, ils n'en ont plus, mais moi, j'en ai encore. Puis si c'est toi qui manque d'électricité, tu es comme, moi, j'en ai plus. Puis pourtant, lui, juste l'autre bord de la rue, il y en a encore. Rrr. Et on est comme un peu en compétition. Puis il y en a certains qui ont le bon cœur de dire, hey, tu sais quoi, tu manques d'électricité, mais chez nous, il y en a encore, alors viens chez nous. Joseph va être cet homme qui va inviter. Joseph, en d'autres mots, il est en train de dire à Jésus, ce qui est à moi est maintenant à toi. Ce qui est à moi est maintenant à toi, Jésus. Alors que tu suis Jésus, qu'est-ce qui, qui est important, qui est légitime d'avoir, de posséder ou peu importe, mais qu'aujourd'hui, tu peux dire, Jésus, ça, ça t'appartient. Ce qui est à moi, est à toi, Seigneur. Ma vie t'appartient. Tout ce que j'ai, tout ce que je possède, tout ce que je suis, pour toi, Seigneur. Et ces trois choses-là, sont une marque que Jésus est vainqueur dans la vie du disciple, dans la vie de Joseph. Mais il va y avoir aussi d'autres réactions à la suite de la mort de Jésus. Voici qu'on peut lire au verset 62. Le lendemain, le jour qui suivait la préparation du sabbat, les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire, Excellence, nous nous souvenons que cet imposteur, on parle de Jésus ici, a dit, pendant qu'il était encore en vie. Après trois jours, je ressusciterai. Fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce, jusqu ce troisième jour. Il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts. Cette dernière supercherie serait encore pire que la première. Pilate leur déclara, d'accord, prenez un corps de garde, donc toute une, une, une petite une petite troupe de gardes, et assurez-vous la protection de ce tombeau à votre guise. Ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde. » C'est intéressant parce que Matthieu, l'évangéliste, celui qui a écrit, n'a jamais écrit ce récit pour délibérer sur la véracité de la résurrection. Hein, C'est aujourd'hui qu'on questionne les événements historiques de la résurrection. Mais en même temps, la résurrection n'a jamais été une théorie. Non, ça a marqué l'histoire. Ça a toujours été reconnu comme un fait historique. Vous savez, il existe toutes sortes de théories la théorie du complot ou des complots, euh, théorie de Darwin, euh, de l'évolution, théorie de. Il y a toutes sortes de théories. Et peut-être que certaines de théories qu'on peut entendre sont vraies, d'autres sont peut-être fausses, mais quoi qu'il en soit, elles restent encore à ce jour des théories jusqu'à preuve du contraire, jusqu'à ce qu'il y ait des, des arguments assez euh, lourds et crédibles pour en faire un fait historique. La résurrection n'a jamais été appelée une théorie. Pourquoi? Parce que c'est juste un fait historique. Même les opposants savaient que Jésus prédisait sa résurrection. Ils savaient même que ça allait être trois jours plus tard. Alors, ils étaient suspicieux. Réalise, on lit ça, là, ils étaient suspicieux. Là. Alors, dès le début, ils surveillaient l'affaire. Suspicieux, déjà à cette époque, ils ont pris les précautions, ils ont fait un plan, ils ont scellé la pierre, puis ils ont mis une garde romaine. Et tu dois comprendre que cette garde-là, c'est des soldats romains. S'ils échouent leur mission, qui est de simplement garder un mort dans le tombeau, s'ils échouent cette mission, ils, sont, ils, vont, ils vont probablement se faire tuer. Les soldats romains, c'est des soldats là, tellement. Euh, de haut niveau, si on veut. Et tout ça nous démontre que Jésus, par sa résurrection, est vainqueur sur ses détracteurs. Les gens voulaient s'assurer que son corps n'ait pas été volé. Et tous ces éléments-là, tout ce plan-là, va rendre la résurrection encore plus spectaculaire. Jean-Chrysostome va dire... À cause de vos mesures préventives, la preuve de sa résurrection est irrévocable. Pourquoi? Parce qu'on avait, on avait surveillé ça, on avait scellé la pierre. Tous les faits historiques nous, nous démontrent que, que toutes les précautions étaient faites en lien pour s'assurer que ça ne soit pas un coup monté. Alors le fait que Jésus ne soit plus dans le tombeau, ça fait... Ça fait en sorte que la résurrection est encore plus éclatante. Mais encore aujourd'hui, on peut entendre toutes sortes d'arguments. Les, les, les musulmans croient que Jésus, le prophète, n'est pas réellement mort, n'a jamais été mort. En fait, il a été enlevé au cours de sa vie. Mais si c'est le cas, bien, il n'y a pas de crucifixion. Et pourtant, la crucifixion a été, encore une fois, relatée comme étant un fait historique. Les Juifs eux ou tout comme les athées même croient que Jésus est juste mort et est encore mort. Mais où sont les eaux Où sont les eaux Me semble que s'il y a une gang qui rassemble des centaines et après ça, en l'espace de quelques années, des milliers de personnes qui commencent à croire à la résurrection de Jésus, me semble que puis qui même vont impacter et bouleverser le monde, ça nous dit. Me semble que la première réaction si j'étais un de ces religieux suspicieux je serais retourné au tombeau, j'aurais dit OK, roulez la pierre, hein, ou, ou peu importe, on va trouver le tombeau. Où sont les eaux On aurait retrouvé les eaux. Certains vont dire Ah ouais, mais Jésus est encore vivant quand il a été mis au tombeau. Hein, on l'a débarqué de la croix, puis finalement, il n'était peut-être pas encore mort, il était peut-être juste comme comateux. Mais ça, c'est de très mal connaître, encore une fois, les soldats romains. Ils étaient des spécialistes en torture humaine. Ils savaient ce qu'ils faisaient. Ils l'ont même tranché avec une lance sur le bas, sur le côté les côtes, et le reste du sang que Jésus avait a coulé, et même de l'eau, parce qu'il n'y avait juste plus de sang dans le corps. Il était vidé. Puis si c'était le cas, que Jésus finalement n'était pas encore mort, qu'il a été mis au tombeau... Imaginons un peu la scène, c'est quoi Jésus il est sorti en kickant la porte, kickant la pierre, il est sorti, sorti chak chak, il a fait quelques coups de karaté aux soldats. Après avoir été flagellé, après avoir eu une couronne d'épines sur la tête, après avoir subi tout ce qu'il a subi, maintenant il fait ça, puis après ça il s'en va voir les disciples, puis il va les retrouver, puis il dit Hey, j'aimerais avoir un fish and chips." Comme si rien n'était. Ça fait pas de sens. Cet argument-là, il est pauvre. D'autres vont dire Ah ouais, mais c'est une arnaque d'une gang de gars, là. Ils ont inventé tout ce récit-là, une gang de gars. Quel gars? Les disciples, ceux qui étaient apeurés? ceux qui sont partis aller se cacher, qui étaient désorganisés, parce que justement, leur, leur, leur maître, Jésus, s'était fait crucifié, condamné. Puis après ça, c'est quoi? Ils auraient été tués. Pour un mensonge qu'ils auraient fabriqué eux-mêmes? Non. Il y a des gens qui peuvent mourir en croyant vraiment sincèrement en leur mensonge, que leur mensonge, en une menterie du moins, sans ne savoir quelle est la vérité. Mais si c'est une arnaque et que les gens savaient que, les gars, les disciples savaient que c'était un mensonge, à un moment donné, tu vis pas toutes les tortures que ces gars-là, ces disciples-là ont vécues en résistant puis en disant ouais, ouais, sachant que c'est un mensonge, c'est une arnaque. Non, il y en aurait un qui aurait qui a réfléchi. Vous savez, toutes sortes d'arguments pendant 2000 ans. Ça fait 2000 ans que le monde tente de renverser la résurrection, mais en vain. Parce qu'ils ne peuvent l'enterrer. On ne peut mettre sous, sous silence la résurrection. Il y a euh, des vidéos super bien faites de mon ami Sam Parle sur YouTube, d'ailleurs, qui défendent l'historicité de la résurrection pour ceux qui sont un peu plus sceptiques. Tu peux aller voir ces vidéos-là. Mais, mais il va dire quelque chose d'intéressant. Il va dire certains disent qu'ils ont la difficulté à croire que Jésus est ressuscité. Mais moi, j'ai de la difficulté à croire que le prince de la vie et accepter la mort à la croix. Wow! Ça me fait penser un peu à... à dernièrement, euh, je, je cuisinais pour mes enfants, puis un petit dîner, on, un petit dîner vite-vite, on fait des grilled cheese. Puis je dis ah, on va faire ça un peu spécial. J'ai sorti la poêle euh, avec des lignes dessus là, qui font comme des paninis. Donc, j'ai grillé des grilled cheese euh, avec des paninis qui font des rayures. Un peu différent. Ah, ça, va être, ça va être drôle. Les enfants vont aimer ça, super. Je sers ça à ma fille. Ma fille, quand même 6 ans, a fait une crise. Elle voulait rien savoir du grill cheese. Elle a repoussé avec dégoût le grill cheese. Ah, c'est dégueulasse! Pourquoi? Parce qu'il y avait des lignes au lieu que ça soit grillé d'une façon uniforme. Ah oh là là, les enfants, hein? Mais en tout respect, il y a des gens, tu refuses de croire à la résurrection de Jésus pour des raisons qui sont discutables. En tout respect. Parce que logiquement, Jésus est vainqueur. Mais plus encore que de juste convaincre ta logique, Jésus veut convaincre ton cœur. Par son esprit, Jésus veut t'amener à cette conviction qu'il est réellement ressuscité et encore vivant par son esprit, puis encore actif jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à même te convaincre. Puis il y a des gens, peut-être que tu résistes, résistes à croire à cette résurrection, résistes à croire à la vie de Jésus. Peut-être que tu as été blessé par le passé, peut-être que tu es en révolte face au christianisme, peut-être que tu te rebelles, tout simplement, tu te dis non, je ne ferai pas comme eux. Peut-être que te, la, la religion t'a fait mal. Puis honnêtement, je, sincèrement, il y a des gens qui ont vu des atrocités, vu des choses vraiment, vraiment tristes. J'ai compassion. Mais la compassion de Jésus est encore plus grande pour ta situation. Elle est tellement grande, sa compassion envers toi, qu'aujourd'hui, tu entends ce message. Ce message n'est pas la proclamation d'une religion puis de belles œuvres à faire. Ce message, c'est la bonne nouvelle de Jésus. Celui qui t'aime, celui qui est mort pour toi, celui qui veut te pardonner de tes péchés et te, être réconcilié avec toi, et être élevé, te remplir de sa vie. Jésus veut consoler ton cœur. Il veut régner avec amour sur ta vie. Donc Jésus est vainqueur même sur ses plus grands détracteurs. Mais on va voir, la dernière portion du message d'aujourd'hui, qu'il est vainqueur même sur l'ennemi de tout être humain, celui que nul être humain n'échappe, la mort. Chapitre 28, verset 1. Après le sabbat, comme le jour commençait à poindre le dimanche matin, Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller à la, voir la tombe. Verset 2, tout à coup, voici qu'il y eut un violent tremblement de terre. Un ange du Seigneur descendit du ciel, s'approcha de la tombe, roula la pierre de côté et s'assit sur elle. Il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige. Les gardes furent saisis d'épouvante. Ils se mirent à trembler et devinrent comme morts. Retiens ça, devinrent comme morts à terre. Mais l'ange s'adressant aux femmes, leur dit, Vous autres, n'ayez pas peur. Je sais que vous cherchez Jésus, celui qui a été crucifié. Il n'est plus ici, car il est ressuscité comme il l'avait dit. Venez voir l'endroit où il était couché. Entre dans la tombe (verset 7). Puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les, les morts. Et voici, il vous précède en Galilée. Là, vous le verrez. Voici, voilà ce que j'avais à vous dire. Les maris quittèrent le tombeau en hâte, tout effrayés, mais en même temps remplis d'une grande joie, et elles coururent porter la nouvelle aux disciples. On a vu que les femmes étaient présentes au verset 61, mais là, elles jouent un rôle majeur. Amen. Femmes jouent un rôle majeur dans la proclamation que le tombeau est vide. Mais on s'entend que les hommes, les humains ne ressuscitent pas. Et même s'il arrivait que par miracle, il y ait quelqu'un qui est ressuscité ou retrouvé la vie après avoir vécu un instant de mort, on s'entend que ces gens-là vont remourir. Jésus est vainqueur sur la mort. Il n'est pas remouru. Vous savez, on a sorti ce chant-là en fin de semaine à l'église de la Portaille, notre chant qui s'intitule Vainqueur. Je t'invite à aller l'écouter sur YouTube et à le partager et à, et à nous suivre, et etc. Puis blablabla. Mais dans ce chant, dans le pont, dans le bridge, ça a été inspiré de 1 Corinthiens chapitre 15 qui dit Ô mort, où est ta victoire Parce que la mort est la punition donnée au péché par Dieu. Dieu a, a, a laissé la mort être la punition sur tout péché. Mais la mort n'avait aucun dossier contre Jésus puisqu'il était sans péché. Alors la mort, lorsqu'elle est arrivée face à Jésus, elle n'a pas pu le retenir, pas pu le vaincre. Jésus l'a renversé parce qu'il était sans péché. Et en mettant ta foi en Jésus, cette victoire-là est maintenant la tienne et la mienne. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne et c'est ce que Jésus nous enseigne. Nous sommes vainqueurs par Jésus. Gloire à Dieu pour ça. Et alors que peut-être certains vivent des situations mortes, Jésus renverse la mort. Alors que tu te dis, mon mariage est mort. Mon mariage est mort. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de romance, il n'y a plus de désir, il n'y a plus rien. Il n'y a plus de bons moments cordiaux, il n'y a plus de rire, il n'y a plus rien. C'est mort. J'aimerais te dire, par la grâce de Dieu, par la toute puissance de Dieu, les situations mortes peuvent être renversées. Il peut déposer la vie, l'amour, le pardon, la grâce, la réconciliation dans ton mariage. Il y a encore de l'espoir à cause de Jésus. Persévère. Ton troisième jour va peut-être venir. Persévère en lui. Certains disent, ah, oh, mais cette relation-là, elle est morte. La relation avec mes parents est morte. La relation avec mes fils, mes filles, c'est mort. Non, ça peut être ressuscité par sa grâce. D'autres gens, tu vis un mal, une mort intérieure. Tu es juste tellement profondément triste, brisé à l'intérieur de toi. Puis tu te sens mort dans l'âme. J'aimerais te dire que Jésus, encore une fois, a renversé la mort pour que tu puisses recevoir la vie. D'autres gens, tu as un comportement mortel, des pensées de mort, qu'elles soient envers toi ou envers les autres, ou même des paroles de mort envers toi ou envers les autres. Et tout ça, on appelle ça, et la Bible appelle ça le péché. Et, et est-ce qu'il y a des gens, tu t'es déjà fait cambrioler à la maison Lève la main T'es déjà fait cambrioler à la maison euh, Je sais que moi, quand j'étais jeune, un de mes amis, mon voisin, mon meilleur ami, s'était fait cambrioler euh, chez eux. Ma, mon épouse aussi, quand elle était jeune, euh, dans sa maison familiale, là, il, il y a quelqu'un qui avait cambriolé la maison. Et, euh, et bon, les deux ont... ont m'ont raconté cette histoire-là un peu d'une manière différente. Premièrement, mon ami était comme hey « Eh Max, je me suis fait voler ma Nintendo. Il euh, y a des voleurs qui sont rentrés chez nous. Ils ont pris la Nintendo. C'est trop cool parce que je vais avoir un Xbox maintenant. » Bon, <laughs> il, y avait, il y avait des désirs un peu différents. Mon épouse, elle, elle me raconte quand elle était jeune que justement se sont fait cambrioler, puis un sentiment de, de quelqu'un qui est rentré, qui s'est introduit, un sentiment de intrusif dans ton intimité de savoir que quelqu'un est venu, un étranger, il n'y avait pas d'affaires dans tes affaires. Il est venu chez vous, dans ta chambre, il est venu dans ton friche-d'air, il, il a pris quelque chose, il a volé des affaires. C'est comme, c'est un sentiment de ceux qui se sont fait cambrioler, l qui l'ont vécu, savent c'est quoi ce sentiment-là. Hein? Il y a un qui s'est introduit puis il n'y avait pas d'affaires là. Mais vous savez, c'est exactement ça, le péché. Ça s'introduit, ça s'infiltre dans l'humanité et ça n'avait pas sa place. Ce n'était pas le désir de Dieu, ce n'était pas l'objet de Dieu, ce n'était pas la, la volonté de Dieu. Mais l'être humain s'est rebellé, s'est détourné de Dieu et le péché est entré. Et c'est peut-être pas ta volonté d'être pécheur, mais tu l'es. Ça s'introduit dans nos vies. Et par le péché, nous sommes méchants, nous sommes jaloux, nous sommes égoïstes, nous sommes envieux, nous sommes impatients, nous sommes colériques. Et ça, c'est juste en toi. Et ça t'amène à faire des actions, à avoir des paroles ou à avoir des pensées que parfois nous regrettons. Alors qu'est-ce qu'on fait avec ça? Nous sommes pécheurs. C'est simple, arrête de le faire. Hey, comment tout le monde? On va être honnête, là. il y a des centaines de gens qui écoutent ce message sur YouTube. Okay, dès maintenant, là, à go, ensemble, on arrête de faire le mal. Okay, on arrête de pécher. Vous êtes prêts? Ça, ça va aller bien. Là. Okay? Un, deux, trois, go. La réalité, c'est que toi et moi, on le sait qu'on peut être bien pendant quelques secondes. Mais rapidement, on va retomber. Rapidement, il va y avoir de ces pensées, il va y avoir de ces paroles, il va y avoir de ces actions, il va y avoir, il va y avoir de ces choses-là qui sont en nous, qui vont ressortir. On est incapable. OK, mais Max, comment on peut vaincre ça, ce mal-là? Est-ce qu'on on devrait prier plus, être plus focus? Certainement que tu peux prier davantage, puis tu pourrais être mieux pendant un temps. Mais à mesure qu'un argument va arriver avec ta femme ou avec tes enfants, kaboum, ça revient au galop. Alors qu'est-ce que tu peux faire? Voici ce que tu peux faire. Je vais te donner la solution miracle. Voici ce que tu peux faire. Rien. Il n'y a rien que tu puisses faire. Jésus a tout accompli. Tu ne peux pas vaincre le péché, tu ne peux pas vaincre la mort, seulement Jésus l'a fait. Alors, la seule chose que tu peux faire, c'est de reconnaître sa grandeur, reconnaître qu'il est vainqueur et te soumettre à lui et mettre ta foi en lui. Euh, dernièrement, je faisais à manger. Encore une fois, c'est rare que je sois à manger, mais là, je vous raconte deux anecdotes où je l'ai faite. Et, euh, et euh, j'avais mon filet de porc, j'ai saisi mon filet de porc dans la poêle, et ensuite de ça, j'ai mis la poêle dans le four et tout ça, et je prépare les autres affaires. Et après ça, je prends les mitaines pour aller dans le four, je sors ma poêle et je sers tout le monde. On mange, moi, la, les enfants, tu, on mange. Et là, euh, on veut avoir, moi et mon fils, on veut avoir une deuxième portion. Alors, je me relève, je vais au four et, euh, et les feux étaient arrêtés et tout ça. Et je ressens le monde et je veux juste tasser la poêle avec la poignée. Je veux juste la tasser. Et là, la poêle était encore, la poignée était encore brûlante. Et là, ah Et là, je me, je me regarde la main et là, ah, ça fait mal sur le coup. Je regarde et je suis comme. Ok, non, ok, c'est pas si pire que ça. Il n'y a aucune marque, il n'y a, a pas de, de il y a rien, tout ça, ça semble pas pire. Ah, ok, ça a l'air, ça a l bien aller, ok, c'est pas si pire. Je mets ma main à l'eau, je rince ça un petit peu, j'attends un peu, puis là, je suis comme OK, oh, c'est pas si pire que ça finalement. Je retourne m'asseoir. 15 minutes plus tard, ah! <laughs> Ma main était en feu! En feu, j'avais mal, ça brûlait, ça brûlait. J'ai passé la nuit, la soirée et la nuit à tenir un, un bloc de glace, un ice pack toute la nuit, tellement j'avais mal. Vous savez, le péché est comme ça. Ça ressemble très bien au péché, où ce que sur le coup on fait Oup, là, puis on regarde les, les conséquences de tout ça de notre péché, puis on dit ah. Ce pas si pire que ça, ce n'est pas si grave. Mais finalement, avec, avec le temps, on réalise que le péché est profondément ancré en nous. Il fait un mal profond dans l'être humain. Ça vient là, nous chercher, ça vient causer une douleur dans notre vie, dans notre vie intérieure, autour de nous, dans nos relations. Ça affecte toute notre vie et c'est pourquoi on a besoin de jésus jésus l'a vaincu jésus est le seul vainqueur sur le péché et par la foi par sa grande par sa toute-puissance tu peux être victorieux en lui tu peux donc marcher quotidiennement dans la repentance ce n'est pas que tu ne pécheras plus non nous sommes encore sur cette terre contaminée par le péché mais nous pouvons constamment nous repentir et constamment en être pardonnés Jésus renverse les situations mortelles que nous pouvons vivre. Jésus renverse le péché qui nous amène à la mort. Mais Jésus renverse aussi notre mort, tout simplement. Il renverse la mort. Bien sûr, notre corps, notre enveloppe corporelle, elle va rester sur terre. On va peut-être l'incinérer ou la mettre dans un tombeau, ou peu importe, on va l'enterrer. Mais ton âme, lorsque tu mets ta foi en Jésus, ne mourra jamais. Parce que s'il est réellement ressuscité et nous avons vu ensemble qu'il semble être réellement ressuscité, ça veut dire que ce qu'il a dit après est aussi vrai, que nous allons nous aussi ressusciter avec lui. Que nous avons aussi la vie éternelle comme il nous l'a promis. Jésus a vaincu la mort pour que tu puisses être vainqueur. Je termine dans quelques instants. Et, et juste amener sur ce dernier point. Pourquoi la pierre a été roulée? Pensez juste un instant. Pourquoi la pierre a été roulée? C'était pas pour que Jésus sorte. Jésus n'était pas derrière dans le tombeau, puis tac, 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 tac. Ouvrez-moi, quelqu'un! Le linge fait comme, ah, m'en viens, m'en viens. Non. Parce qu'à aucun endroit on voit Jésus sortir du tombeau. L'ange va dire Jésus vous précède déjà. Il est déjà plus dans le tombeau. Le tombeau est déjà vide. Alors pourquoi la pierre est roulée Je crois qu'il y a trois raisons. Premièrement pour démontrer l'action miraculeuse de Dieu. Kaboum Dieu fait une œuvre éclatante, miraculeuse, tremblement de terre, la pierre est roulée, l'ange apparaît. Waouh Ça c'est l'action de Dieu. Deuxième raison, je crois que c'était pour frustrer la stratégie aussi des leaders religieux qui scellaient la pierre et qui avaient mis la garde. Mais la troisième raison, c'est là que je veux attirer ton attention, et c'est la principale, je crois, c'était pour que les gens aient la possibilité d'entrer et voir le tombeau vide. Comment? C'était pour que ces femmes-là, c'était pour que Jean et Pierre, dans quelques versets plus tard, viennent et voient le tombeau vide. C'était pour que les religieux suspicieux, les soldats, quand ils vont se relever, puissent aller voir dans le tombeau et tu dire, sais, Jésus n'est plus là. Il est ressuscité. Mais quelle grâce que Dieu nous fait que de constater le tombeau vide, de constater qu'il est vivant, de constater sa résurrection. Et je crois que Dieu encore aujourd'hui veut te convaincre de toutes les manières que possible que tu puisses constater qu'il est vivant. Et j'ai une invitation aujourd'hui à te faire. Et c'est d'entrer et de voir l'endroit où Jésus était couché. Comme l'ange dit aux femmes. Viens, entrez dans le tombeau. Viens voir. Le tombeau est vide. Et, et bien sûr, ça prend un pas de foi. Ça te prend un pas de foi. Mais Jésus veut euh, t'amener à voir l'évidence de sa résurrection. Et peut-être qu'aujourd'hui, tu n'es pas en Israël, tu ne peux pas rentrer dans ce tombeau-là. Mais dès aujourd'hui, tu peux avoir cette conviction profonde de dire Seigneur. Montre-moi l'évidence que tu es réellement ressuscité, Seigneur, par la foi. Convains-moi, Seigneur, si c'est vraiment le cas, si tu es réellement vivant, convainc-moi. Je prie qu'aujourd'hui, tu puisses faire cette prière sincère et authentique. De prendre cette décision de, de, de rentrer et de dire, Seigneur, je veux, ouais, je veux essayer, je veux venir voir le tombeau vide. Ou l'autre possibilité, c'est que tu restes en dehors du tombeau, comme les soldats. Puis l'image spirituelle, elle est puissante, parce que ça nous dit que les soldats sont en dehors, sont à l'extérieur du tombeau, puis sont tombés comme morts. Il y a ce contraste entre ceux qui entrent dans le tombeau et voient la vie, réalisent la vie de Jésus, qu'il est ressuscité, et ceux qui restent en dehors du tombeau et qui restent comme morts. Aujourd'hui, je, je te fais la plus belle des annonces, la meilleure des nouvelles. Je ne suis peut-être pas un ange, il n'y a peut-être pas des tremblements de terre actuellement. Mais j'ai une invitation à te faire et c'est celle d'entrer dans le tombeau vide et demander à Dieu, es-tu réellement Dieu? Es-tu réellement vivant? Es-tu réellement ressuscité? Et si c'est ton désir, que tu puisses faire cette prière dès maintenant, intimement, personnellement, de fermer les yeux, de faire cette prière qui dit tout simplement, Seigneur Jésus, je veux te connaître. Je veux que tu vives en moi. Si tu es encore vivant, tu es ressuscité, tu es encore vivant, je veux que tu vives en moi, je veux que tu sois vainqueur sur ma vie. Demande-lui et suis-le dès aujourd'hui. C'est la plus belle décision que tu peux faire en cette Pâque 2023. Sois béni, mon ami. Si vous souhaitez en savoir plus sur Jésus, sur la Bible, sur l'Église ou même si vous vivez des défis particuliers et que vous souhaitez avoir un accompagnement pastoral, écrivez-nous à info-église-portail.com et on vous contactera le plus rapidement possible. En terminant, merci pour votre générosité et votre soutien envers l'Église de Portail. Ça nous permet vraiment de poursuivre notre mission qui est d'aider tout le monde à découvrir que tout a toujours rapport avec Jésus. Vous pouvez faire un don via votre institution bancaire ou en nous écrivant à don au pluriel église de Portail.com. Et au nom de toute notre équipe, passez une belle semaine et un beau dimanche de Pâques.